Salut à tous, c'est Diablo X9, bienvenue pour une nouvelle série sur Diablo X9 is Playing sur Super Meat Boy. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu, vous auriez dû. C'est un petit jeu qui existe depuis un petit temps, un petit moment déjà, disponible sur PC, sur le Xbox Live Arcade, certainement sur PS3 aussi, je veux pas dire de bêtises. Quoi qu'il en soit, ce jeu est connu pour être très très prise de tête. On dit souvent que c'est... j'ai entendu dire du moins... que c'était un jeu vraiment très 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 difficile. C'est ce type de jeu play and replay and replay and replay jusqu'à y arriver. Et je vous cache pas y avoir déjà un petit peu joué en fait, d'accord. Donc je connais disons les bases, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller très très loin. Alors dans tous les cas, ce sera comme si je débutais presque. Allons-y. Oh ouais, c'est clair que si j'appuie pas sur start, voilà. Ah non, pardon, c'est juste. Ah oui, d'accord. Super Meat Boy. Et si vous voulez mon avis, vu la difficulté du jeu, on risque de faire des épisodes, comme d'habitude, de 10, 15, 20 minutes maximum, sur un seul ou deux niveaux, des fois, enfin ça dépend, on verra. Allez, démarrer la partie. Chapitre 1, The Forest. C'est parti. Alors en gros, l'histoire est très très bête, il y a Super Meat Boy qui est amoureux de Bandage Girl, et le méchant docteur je sais plus comment là. Et bah il frappe la méchante, la gentille petite copine, et il la kidnappe, tout simplement. Dans le genre scénario dégueulasse, on n'a pas trouvé mieux. Non, c'est pas l'important dans ce jeu de toute façon. C'est parti, niveau 1, allez. Notre petit tas de viande. Alors oui, il nous explique les boutons rapidement, hein, donc je cours avec RT, je suis pas obligé, je peux courir aussi à cette vitesse. Je saute avec A. Et le but, c'est de retourner, d'atteindre notre petite Meat... Moi, je vais l'appeler Meat Girl. Le plus rapidement possible, tout simplement. Voilà. Hop. Et on passe directement au niveau suivant. Bon là, c'est... Hein. C'est tranquille. C'est même plus que tranquille. Hop. Regardez ça. Ça, mais on le fait les doigts dans le nez. C'est tout à fait normal. Mais vous allez voir. Oh, mon Dieu. Vous allez voir. Ça se complique extrêmement rapidement. Alors, ce que j'ai ramassé, c'est un petit bonus. Je ne sais plus à quoi ça sert, mais c'est un petit bonus. Voilà, ça c'est bon. Alors. Alors, à quoi ça sert ça déjà? Ah oui, attendez. Ouais, voilà, je dois monter comme ça. Alors, attendez, je vais recommencer. Comment est-ce qu'on recommence déjà? Ah oui, faut simplement se tuer, je crois. Voilà. Ah, elle est un peu plus haut quand même, d'accord. Ah, c'est quoi ça? Oh la Warp Zone! Ah oui, c'est une zone Super Meat Boy. Est-ce que c'est un vieux Super Meat Boy ou je sais pas quoi, mais... Ça m'a l'air d'être ça. Oh waouh! Ah oui, c'est vraiment vieux là. Ah, mais alors direct... Ah! Ça se complique. Merde, j'ai plus que deux vies. Ah, déconne pas, Benoît. Ok, attendez. Ah, mais je peux aller jusqu'en bas, regardez. Ok. Ah! C'est bon. Et me voilà, Meat Girl. Ah, mais il y a d'autres niveaux. Oh mon Dieu. Comment est-ce que je vais là? Oh, oh. Ah, j'y étais. Attendez. Non. Oh mon Dieu, c'est tellement sensible, vous vous rendez pas compte. Voilà. Ok, ça je l'ai. Non. Ah, putain. Allez. Là. Ah oui, vous m'avez entendu râler sur Rayman, mais alors sur ce jeu, ça va y aller, je vous dis tout de suite. Bon, j'ai pas réussi, c'est pas très grave, au moins elle est déverrouillée. Niveau 5. Holy Mountain. Ah mais merde, c'est celui... Ah non, mais je l'avais... Oui, bah du coup, je l'avais pas terminé, c'est normal. Hop. Et me voilà, ma chérie. Ça va assez vite, les premiers niveaux, là, franchement. Hop, attention... C'était chaud, mais ça passe. C'était juste, hein, je vous avoue. Ah, je vous ai même pas montré l'option replay, en fait. Attendez, je vous la montre à la fin de celui-ci. Voilà. Je peux re-regarder, voire même le sauvegarder, si je trouve avoir fait quelque chose d'exceptionnel, ce qui risque pas d'arriver. Et je peux aussi rejouer le niveau si j'estime que mon temps n'est pas assez correct. Alors, oh merde, je l'avais pas vu celle-là. Oh, Benoît, commence pas. Ah, oh, j'y étais presque, dommage, attendez. Comme ça, waouh, la traversée, direct.
Alors ça, c'est des trucs qui se détruisent quand on les touche, voilà. Donc faut pas rester dessus trop longtemps, tout simplement. Vraiment, ça va vous paraître obsolète comme premier niveau. Mais rassurez-vous, dès le prochain épisode, je pense que vous allez comprendre ma douleur. Oh mon dieu, vous allez la comprendre. Oh le con. Ah c'est bon, oh, j'ai eu de la chance. Ça commence déjà à brûler, regardez ça. Hop hop. Ah non 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 Benoît. Ah là 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 là. Ok, on se concentre un peu quand même. Oh, il y a un pansement là. Oh. Oh dommage. Comment je peux aller chercher ce truc? Attendez. Comme ça, comme ça. Oh. Ah ouais, mais c'est comme les pièces dans Rayman, c'est comme les rubis dans Zelda. Là, je vais trop avoir envie d'aller le chercher, ce truc. Et j'ai même pas réussi, tellement je suis con. Non, attendez, je crois avoir trouvé. Regardez, comme ça. Hop. Ah, j'y étais. Ouais, ouais, c'est comme ça, regardez. Faut pas que je touche trop ce truc. Non. Ouais, voilà. Je vais y arriver, je vais y arriver. Benoît, concentre-toi. Ah. Disons que... Ah non, j'étais vachement bien, mais là, je vais pas pouvoir remonter. Disons que dans le jeu relaxant, ça a pas grand chose à voir avec un journey, hein, par exemple. Je pense que vous l'aurez de vie. Ah, nez. Mon petit Meat Boy, là, sans déconner. Vas-y, mon gars. Ah, putain de sa maman. Bon, hein, fuck le pansement, là, le... Ouais, on dirait un pansement, en fait, c'est ça. Un bandage. Ah, tête-dieu. Oh, mon dieu, ça se complique déjà. Non, 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 mais ça, je l'ai déjà fait. Faut pas non plus déconner. Oh, putain, Benoît. Oui, c'est bon. Oh, mon dieu. Bon. Ok, pas grave. Ouais, faut que je marque un temps d'arrêt au milieu là. Oh mais ça va, ça va. Et je vais chercher le monde, la warp zone. Oh, elle est de nouveau là. Oh waouh, oh stylé. Hop, hop, hop. Allez, c'est bon, je t'ai sauvé. Oh mon dieu. Ouf. Oh, vous êtes sérieux? Comment je fais ça, moi? Oh, comme j'ai géré. Ah, mais je peux voler. Waouh, joli, ça. Ah, dommage. Merde. Est-ce que j'ai de nouveau une limite de 3 vies? Je sais pas. Eh bah apparemment non. Parfait. Ah, ah, ah. Voilà. Yes. Yeah. Vous avez déverrouillé je sais pas quoi. Je crois que j'ai déverrouillé un personnage. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de faire un truc et je vais le faire tout de suite. Vous m'excusez, préférence, état, occupé. Voilà. Je crois avoir... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Là. C'est quoi cette connerie? Je comprends pas. Ah, lui, je l'ai. Ouais, d'accord. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi? Je vais le mettre sur Super Meat Boy. À quoi ça a servi de faire ça? Je ne sais pas à quoi ça a servi de faire ça. Bon. C'est pas grave. On verra bien par la suite. Voilà, changer de personnage. Regardez. Je peux le prendre. Ah, et alors lui, du coup, il peut voler un moment. Mais alors, attendez, vous êtes en train de me dire que si je prends Meat Boy, je peux pas voler avec lui? Ah non, mais c'est de l'arnaque. Moi, j'aime pas faire des choses différemment, quoi.
Moi, ça me perturbe du coup. De savoir qu'il y a un autre personnage là. Je déteste ça. Ouais, c'est de la merde. Allez, je reprends Meat Boy. Hop. Le pansement. Oh, il va être chaud. Ouh, il va être chaud à aller chercher celui-là. Hop. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ok, attendez. Non, pas maintenant. Maintenant. Non. On va se mettre au-dessus, on va attendre en fait, voilà ce qu'on va faire. Hop. Yes. Ne sois pas gourmand, Benoît, maintenant. Yes, bien joué. Ouh, ça se complique. Et on aime ça. Et ça passe. Joli. Oh, 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 oh. Hop, 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 hop. Ah, ouh, dommage. Oh là là, si ça passait ça. Oh waouh, j'ai de la chance là. Ah, tac, 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 tac. Ah, oh, j'y étais. Non. Allez, allez, je termine celui-là. Hop, non, Benoît. Come on, bitches. Hop, 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 hop. Ah, t'es-tu. Bien joué. Ouf. Viens regarder, on a déjà fait pas mal de niveaux. Je sais pas comment est-ce qu'on retourne à la carte par contre. Là. Retour vers la carte. On a déjà fait une bonne quinzaine de mini-niveaux, mais comptez sur moi et croyez-moi, oh mon dieu, ce que ça va se compliquer par la suite, vous pouvez en être sûr et certain. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que cette petite aventure sur ce jeu bien énervant, vous allez le voir, vous plaira, vous aura plu. Prenez soin de vous et à la prochaine, bye bye.